Montage d'une tente d'homme. La tente est livrée dans sa housse. Il vous faudra la dérouler et vous trouverez avec elle le toit, les sardines et les baguettes de structure de la tente. Dans un premier temps, agencez les baguettes, enclenchez chaque section les unes dans les autres. Chaque baguette possède un élastique à l'intérieur et de nombreuses sections qu'il faut agencer les unes avec les autres. Réservez vos baguettes, puis déroulez et dépliez votre toile de tente que vous tendrez au maximum. Ce sera le moment de mettre les sardines à chaque coin de la tente. Les sardines sont des tiges métalliques recourbées qui permettent de fixer la tente au sol. On peut les enfoncer à l'aide d'une masse si le sol est trop dur. Une fois que votre tente est bien tendue au sol, il vous faudra mettre les baguettes dans les orifices prévus à cet effet le long de la tente. Posez donc vos baguettes de manière à créer une croix sur la tente à la disposition prévue. Faites coulisser les baguettes. Puis, une fois que celles-ci seront mises en place, vous pourrez tirer le tout vers le haut, de manière à tendre un petit peu la structure. Chaque coin de votre tente possède un petit enclenchement pour chaque baguette. Il peut arriver, sur certaines tentes, que vous ayez à enfoncer directement les baguettes dans le sol. Ici, nous avons un petit emplacement blanc dans lequel nous allons enclencher la baguette. Et ceci sur les quatre coins de la tente. N'hésitez pas à forcer un petit peu, de manière à tendre au maximum la structure. Il ne vous restera plus qu'à mettre le chapeau de la tente pour vous protéger des intempéries et ouvrir celle-ci pour installer votre sac de couchage. Notez qu'il est possible de rajouter sur votre tente différents accessoires comme un double toit, des tapis de sol, etc.